السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في قراءة جديدة، هذه المرة مع كتاب لي جون نيزي، وهذا الكتاب بعنوان لا سوسيولوجي دو أنتوني جيدنز. أنتوني جيدنز هو سوسيولوجي بريطاني، إذن سنتعرف على سوسيولوجيته من خلال هذا الكتاب باللغة الفرنسية إن شاء الله تعالى. Introduction. Anthony Giddens, né en 1938 dans la banlieue de Londres, son père est employé dans une société de transport et sa mère travaille au foyer. Il fait ses études à l'université de Hull, puis à London, London School of Economics, où il réalise une thèse sur l'histoire du sport en Angleterre au 19e siècle. Il obtient ensuite, Anthony Giddens, il a réalisé une thèse sur l'histoire du sport en Angleterre dans le 19e siècle. Il obtient ensuite une charge de cours à l'université de Leicester, où il travaille de 1961 à 1969, tout en développant des contacts avec les milieux de recherche européens et américains. Ainsi, il séjourne 2 ans aux États-Unis, où il est impressionné par les mouvements sociaux, mouvements pacifistes, féministes, etc., qui s'expriment à l'époque. Il passe également plusieurs mois en France et en Allemagne, où il prend connaissance des œuvres des philosophes et sociologues continentaux, en particulier Marx, Weber et Michel Foucault. À partir de 1985, il est nommé professeur au King's College de Cambridge, puis devient en 1996 directeur de la London School of Economics. À côté de ses activités de chercheur et d'enseignant, Giddens est cofondateur en 1984, puis directeur de la maison d'édition Polity Press, une des plus en vue dans le domaine des sciences humaines. À partir du milieu des années 1990, il prend une part active dans la conception du projet du Parti travailliste dirigé par Tony Blair, et il publie plusieurs ouvrages dans le domaine de la politique. Giddens occupe une place à part dans le champ de la sociologie. Il constitue, comme l'a noté un commentateur, un véritable phénomène. Pour différentes raisons. Tout d'abord, sa production scientifique est extrêmement abondante. Plusieurs centaines d'articles et quelques 35 ouvrages, dont la plupart sont signés par lui seul, les autres étant rédigés ou coordonnés avec d'autres auteurs. Cette production ensuite poursuit des objectifs très ambitieux. Ainsi, les premiers ouvrages entendent développer une critique de l'ensemble de la tradition sociologique. Aucun des classiques nés des grands acteurs contemporains ne trouve grâce à ses yeux en vue d'en réviser les bases. D'autres ouvrages prétendent construire une théorie de la modernité, un objet extrêmement large puisqu'il désigne les formes d'organisation sociale qui sont apparues en Europe au XVIIe siècle pour s'étendre ensuite progressivement à toute la planète, etc. Autre caractéristique du phénomène Giddens, il affiche des connaissances véritablement encyclopédiques, non seulement en sociologie, mais aussi dans les autres sciences humaines, histoire, géographie, philosophie, linguistique, etc. Il manifeste la volonté de rompre
les barrières entre les disciplines. Enfin, son audience dans les milieux scientifiques est impressionnante. Des dizaines d'ouvrages et d'articles lui sont consacrés, émanant de recherches venant de pays et de disciplines très variées. Dans des interviews accordées à la fin des années 1990 à Christopher Pearson, Giddens affirme avoir poursuivi de manière constante un même projet dès le début de ses activités de chercheur. Il comprend plusieurs volets. Elle a dit: Je voulais, explique-t-il, jeter un regard neuf sur le développement de la pensée sociologique classique, développer un cadre méthodologique nouveau pour les sciences sociales et analyser les caractéristiques distinctives de la modernité. Tels sont effectivement les thèmes qui ont mobilisé Giddens durant sa vie de chercheur. Détaillons-les quelque peu. La préface de son premier ouvrage, Capitalism and Modern Social Theory, 1971, débute par le constat qu'il existe un large sentiment parmi les sociologues selon lequel la théorie sociale nécessite une révision radicale. Fort de cette conviction, Giddens engage des débats critiques avec les auteurs classiques, essentiellement Émile Durkheim, Max Weber et Karl Marx, et même qu'avec plusieurs autres sociologues, philosophes et linguistes qui ont marqué l'histoire des sciences humaines au XXe siècle, tels que Parsons, Irving Goffman, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Ferdinand de Saussure, Alfred Schultz, etc. Donc, Giddens, il va critiquer tous ces auteurs. Que reproche-t-il à ses prédécesseurs? De rester enfermé dans un dualisme qui oppose dans le domaine de la théorie sociale la priorité que l'on accorde tantôt aux acteurs, tantôt aux structures. Donc, النقاش الذي قام به أنتوني جيدنس حول نظريات علم الاجتماع والتي انتقد فيها من خلالها النظريات الكلاسيكية وكذلك مجموعة من النظريات انتقد مثلا تالكوت بارسونز إيرفين جوفمان مارتين هايدغر وآخرون انتقدهم لأنهم كانوا يعني منغلقين في ثنائية يعني في النظرية الاجتماعية بين من يعطي أهمية كبيرة للفاعلين للذات الجانب الذاتي ومن يركز على البناء المجتمعي الجانب البنيوي. Certaines théories, affirme Giddens, rendent compte des phénomènes sociaux en se référant aux acteurs individuels. Elles ne permettent pas d'expliquer que ces acteurs sont aussi influencés par les structures. مثلاً بعض النظريات في علم الاجتماع هي تهتم أو تحاول أن تشرح الظواهر الاجتماعية بالرجوع إلى الفاعلين يعني إلى الذوات يعني الأفراد، وهذه النظريات لا تسمح بشرح أن الفاعلين هم أيضا يتأثرون بالبنيات par les structures. D'autres théories, نظريات أخرى donnent au contraire la priorité aux structures, تعطي الأولوية للبنيات. Elles sont incapables d'expliquer que les individus sont bien des acteurs. وهي لا تستطيع يعني لا تستطيع أن تشرح بأن الأفراد هم أيضا فاعلين ويفكرون ويؤثرون كذلك في البنيات. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Giddens tente de dépasser ce dualisme en combinant les deux points de vue dans ce qu'il appelle sa théorie de la structuration. Et dans في نهاية 1970 حتى بداية سنوات الثمانينات، فجيدنز كان يحاول أن يتجاوز
كان يحاول أن يتجاوز ثنائية الثنائية والقطبية بين يعني أنصار يعني البنائية أو أنصار الذين يركزون على البناءات الاجتماعية في المقابل على أنصار من يركزون على الذات والأفعال الفردية. وحاول أن يبني نظريته التي تجمع وتوفق بين الجانبين وسماها بنظرية الهيكلة. Théorie de la structuration. Elle est exposée notamment dans un de ses ouvrages majeurs, La Constitution de la Société. إذن فهذه النظرية نظرية الهيكلة فهي موجودة في كتابه من أحد كتبه يعني الشهيرة أو الكبرى وهو معنون ب La Constitution de la Société تشكل المجتمع. Parallèlement à ce travail de refondation de la sociologie que nous présentons dans le premier chapitre de cet ouvrage, إذن بالموازاة مع هذا العمل، تحياتي أخي إبراهيم، بارك الله فيك، بالموازاة مع هذا العمل، عمل يعني إعادة تأسيس السوسيولوجيا، فأول شيء أنطوني جيدنس كان يحاول أن يؤسس من جديد السوسيولوجيا، يعني إعادة تأسيس السوسيولوجيا. Parallèlement à ce travail de refondation de la sociologie que nous présentons dans le premier chapitre de cet ouvrage, والتي سوف نقدم له في الفصل الأول، Giddens mène également dès les années 1970-1980 des recherches qui comportent une dimension plus empirique. فGiddens قام ما بين سنوات 1970-1980 بأبحاث فيها يعني بعد تجريبي أكثر. Il tente de comprendre ce qui fait la spécificité des sociétés modernes par rapport aux sociétés plus anciennes. وكان يبحث عن ما يميز المجتمعات العصرية ما يميزها عن المجتمعات التقليدية أو القديمة. Il insiste en particulier sur les rapports de classe qui ont cours et sur l'existence d'un type particulier d'État et qu'il appelle l'État-nation. إذن هو يركز بأن مثلا في المجتمع الحالي يركز على العلاقات بين الطبقات وكذلك وجود نوع متميز من الدولة والذي يسميه لتناسيون الدولة الوطنية. L'ouvrage The Nation State and Violence الدولة الوطنية والعنف سنة 1985 est un des principaux résultats de ses recherches. وواحد يعني من النتائج المهمة لهذه الأبحاث يعني حول المجتمع العصري ومقارنته بالمجتمعات التقليدية يعني القديمة. Dont nous rendons compte dans les chapitres 2 et 3. والكاتب سوف يتحدث عن هذا الكتاب وعن هذه النظرية في الفصلين الثاني والثالث. Dans ses écrits des années 1990, في سنوات التسعينيات، Giddens resserre son angle d'approche. سوف يضيق زاوية مقاربته d'un point de vue historique tout au moins en se centrant sur la société qui s'est mise en place progressivement dans les pays occidentaux à partir des années 1960. سوف يبدأ يعني يدرس يعني المجتمع من مقاربة تاريخية ويركز على المجتمعات الغربية بداية من الستينيات. Elle n'est pas fondamentalement différente de la société moderne. Toutefois, les influences qui s'exercent depuis trois siècles au sein de la modernité s'étendent et se renforcent, ce qui amène Giddens à la désigner par l'expression « modernité radicale ». Et donc, Yassif, التغيرات التي تحدث في المجتمع حدثت يعني بعد سنة 1960 سماها بالحداثة الراديكالية la modernité radicale. Il s'intéresse principalement à la manière dont celle-ci se traduit dans les expériences quotidiennes des individus, en particulier dans les rapports qu'ils ont avec leur corps, leur choix en matière d'alimentation de santé. إذن بدأ يهتم بشكل أساسي à la manière dont celle-ci se traduit.
يعني كيف يعني هذه الحداثة ما يسمى بالحداثة الراديكالية، والتي تترجم من خلال التجارب اليومية للأفراد، خاصة في علاقاتهم بأجسادهم مثلا، اختياراتهم فيما يتعلق بالتغذية، بالصحة إلى آخره، وكذلك في علاقاتهم الحميمية، علاقات يعني لو كوبل، الأزواج، الصداقات. بلو جينيرالمون il élabore une théorie de l'identité personnelle. وبشكل عام فهو يعني أسس لنظرية تسمى بنظرية الهوية الشخصية، l'identité personnelle de l'individu contemporain، للإنسان أو الفرد الحداثي أو العصري. Il traite de ces thèmes dans plusieurs ouvrages، parmi lesquels إذن يعالج هذه المواضيع في مجموعة من الكتب، من بينها Modernity and Self-Identity، يعني الحداثة والهوية الشخصية. سنة 1991. Il montre également que ces transformations sociologiques contemporaines conduisent à faire de la politique autrement. ويبين كذلك أنتوني جيدنز بأن هذه التحولات السوسيولوجية العصرية أدت إلى يعني التحرك أو فعل سياسي مختلف. Ce qui l'amène à développer des propositions d'action dans le domaine de la politique nationale. الأمر الذي أدى به إلى اقتراح مجموعة من الأشياء وتطوير مقترحات عملية فيما يخص مجال السياسة الوطنية والدولية. Nous consacrons le chapitre 4 à ces travaux portant sur la modernité radicale et sur la politique. سنخصص الفصل الرابع لأبحاثه أو أعماله حول الحداثة الراديكالية والسياسة. Avant de dresser dans le chapitre 5 un bilan critique de l'œuvre. قبل أن نتناول في الفصل الخامس يعني محصلة أو un bilan يعني نقدي للأعمال. Les différents chapitres de l'ouvrage peuvent dans une certaine mesure se lire indépendamment les uns des autres. يعني قال لك بقية الفصول يمكن أن تقرأ منفصلة، كل واحدة منفصلة على الأخرى. Hormis le chapitre 5 dont la compréhension présuppose la lecture des quatre premiers. باستثناء الفصل الخامس الذي يعني فهمه يحتاج إلى قراءة الفصول الأربعة الأولى. باستثناء الفصل الخامس. أما الفصول الأخرى فيمكن قراءتها يعني مستقلة. Aborder les écrits de Giddens n'est pas chose aisée. إذن يقول الكاتب بأن تناول يعني كتابات جيدنز ليس أمرا سهلا أو هينا. ليس أمرا سهلا. De fait de l'ampleur de la production, لأن الحجم الإنتاج يعني كبير. Du caractère souvent abstrait du propos, كذلك الطابع التجريدي لآرائه. Des redondances qui se présentent d'un ouvrage à l'autre, etc. Si des textes introductifs existent en langue anglaise, ce n'est pas le cas en français. Il a كانت هناك مثلا بعض الكتب يعني بعض الكتب التي تقدم لجيدنز بالإنجليزية، فالأمر غير موجود بالنسبة للفرنسية. Telle est la raison d'être du présent ouvrage. هو يعني هذا هو السبب الذي جعل الكاتب يعني يقوم بهذا العمل. Plus précisément, nous souhaitons faciliter l'accès à l'œuvre. إذن الهدف هو تسهيل الولوج إلى أعمال جيدنز. أولا، en permettant au lecteur de s'orienter parmi les nombreux textes pour y trouver les thèmes qui correspondent à leurs intérêts intellectuels et à leurs thèmes de recherche. أولا، سمح للقراء بالتوجه أو يعني 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 بالتوجه والتعرف على مجموعة من النصوص حتى يعني يختاروا منها ما يناسب اهتماماتهم الثقافية وأبحاثهم إلى آخره ومواضيعهم. On les expliquant les principes كذلك on leur expliquant نشرح يعني المفاهيم الرئيسية والنظريات التي طورها جيدنز. ثالثا on leur permettant de développer نسمح لهم بتطوير par rapport à cette œuvre un regard critique نسمح لهم بتطوير
يعني نظرة نقدية لأعمال الكاتب. Le lecteur qui voudrait aller au-delà de la prise de connaissance critique des concepts et théories et qui souhaiterait apprendre à utiliser ceci pour analyser des réalités sociales pourra consulter le site Sociologie BE. قال يعني الكاتب يعني القارئ الذي يريد أن يبحث عن أمور نقدية أكثر فأكثر يمكنه أن يعني يلجأ إلى موقع يسمى بسوسيولوج.be. Nous y proposons différents matériaux de recherche ainsi que leur analyse à partir des concepts proposés dans le cadre de cet ouvrage. Chapitre 1er. Refonder la sociologie. Et dans في المقدمة شرحت بالعربية الآن سوف أقرأ فقط بالفرنسية لأن الأمر يأخذ وقت على أن ألخص محتويات الكتاب بالعربية فيما بعد يعني في حلقات إن شاء الله تعالى. إذن refonder la sociologie Giddens. Refonder la sociologie. Chapitre 1er. Giddens étant révisé les bases de la sociologie. Que trouve-t-il d'insatisfaisant dans les écrits sociologiques de ses prédécesseurs et quelles critiques leur adresse-t-il? Première section. Comment sa théorie de la structuration permet-elle de dépasser ces difficultés? Deuxième section. En quoi sa théorie implique-t-elle une approche originale de la réalité sociale, ce que Giddens appelle la double herméneutique? Troisième section. La critique de la tradition sociologique. La critique de la tradition sociologique. Les premiers ouvrages de Giddens, publiés au cours des années 1970, consistent en grande partie en une des relectures critiques des classiques de la sociologie, ainsi que de sociologues et philosophes plus contemporains. Cet examen critique est guidé par deux préoccupations. D'une part, Giddens restitue et discute les théories que ses auteurs ont proposées concernant différents objets tels que les classes sociales, le pouvoir, l'État, la modernité, etc. Il poursuivra cette discussion théorique dans ses œuvres ultérieures. Nous en ferons largement état dans les chapitres suivants. D'autre part, il s'interroge sur les perspectives que ces auteurs adoptent pour analyser la réalité sociale. Comment peut-on classer ces perspectives? Sont-elles satisfaisantes? Plus précisément, offrent-elles une base adéquate pour analyser la société moderne? C'est cette évaluation que nous reprenons ici, telle qu'elle est présentée principalement dans New Rules of Sociological Method in 1976, Studies in Social and Political Theory 1977, ce sont des livres de Anthony Giddens, Central Problems in Social Theory 1979, et Profiles and Critics in Social Theory 1982. Ce sont tous des livres de Anthony Giddens sur la théorie sociale. Giddens classe les auteurs qu'il étudie selon quatre grands courants. Donc, il classe les auteurs selon quatre courants: le fonctionnalisme, le structuralisme, les sociologies interprétatives et le marxisme. Le fonctionnalisme. À l'époque des premiers ouvrages de Giddens, le fonctionnalisme est le courant dominant de la sociologie anglo-saxonne, avec des figures comme Talcott Parsons, 1902 à 1979, ou encore Robert Merton, 1910 à 2003. Giddens ne peut manquer de s'y confronter. Le fonctionnalisme remonte à Auguste Comte, 1798-1800,
57. Mais c'est principalement Émile Durkheim, 1858-1917, qui a jeté les bases de la perspective fonctionnaliste en sociologie. Giddens se montre très critique par rapport à ce courant théorique. Il s'en prend en particulier à la thèse développée dans certains écrits de Durkheim, selon laquelle la société est une réalité d'un autre ordre que celle des individus qui la constituent, une réalité qui fait peser sur eux un ensemble de contraintes. Il cite à ce propos le passage célèbre de Durkheim dans Les règles de la méthode sociologique, où celui-ci affirme que la contrainte constitue un caractère intrinsèque des faits sociaux. Giddens soutient la thèse que les structures sociales rendent possibles les actions individuelles autant qu'elles les contraignent, qu'elles sont habilitantes autant que contraignantes, une thèse qu'il retrouve dans d'autres textes du sociologue français. Il illustre cette idée par l'exemple de la langue. Elle contraint la pensée et l'action de ceux qui l'utilisent, mais dans le même temps, elle permet le développement des capacités cognitives et pratiques des individus. Durkheim emprunte au philosophe anglais Herbert Spencer, 1820-1903, la métaphore de l'organisme biologique. Il considère que les phénomènes sociaux, à l'instar des organes du corps, remplissent des fonctions qui contribuent à la reproduction de la société. Il adopte ce raisonnement notamment dans De la division du travail social, où il montre que la division du travail a pour fonction d'assurer l'intégration sociale. Pour Giddens, on ne peut accorder à la notion de fonction un quelconque pouvoir explicatif. Ceci supposerait que l'on attribue à la société des besoins au début, etc. Une telle position est proprement inacceptable. Les systèmes sociaux, affirme-t-il, n'ont aucune façon de début, des raisons ou des besoins. Seuls les individus humains en ont toute explication de la reproduction sociale qui impute une théologie aux systèmes sociaux doit être déclarée invalide. Le raisonnement qui s'appuie sur la notion de fonction a en outre le désavantage d'exclure l'histoire. Il s'agit d'un mode de pensée strictement synchronique qui ne prend pas en compte les actions des individus en tant qu'elles s'inscrivent dans la durée. Giddens adresse des reproches similaires à d'autres sociologues plus contemporains qui adoptent certains principes du fonctionnalisme ou qui empruntent certaines notions comme Parsons, Merton ou encore les sociologues allemands Nicolas Luhmann et Jürgen Habermas, né en 1929. Ainsi, il regrette que Habermas, du fait de ses emprunts à la pensée fonctionnaliste, ait une conception trop étroite du pouvoir et qu'il sous-estime le rôle des individus et des groupes dans le déroulement de l'histoire. Le structuralisme, en fait, le deuxième courant que Giddens critique, c'est le courant du structuralisme. Giddens traite ici du courant de recherche qui trouve son origine dans l'œuvre du linguiste suisse Ferdinand de Saussure, 1857-1913, et qui s'est poursuivi dans le domaine des sciences sociales avec des auteurs comme l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, né en 1908, le philosophe Jacques Derrida, 1930-2004, Michel Foucault, 1926-1984, etc. On s'attachera ici à évoquer la thèse de Saussure et à présenter les critiques énoncées par Giddens à leur endroit. Dans son cours de linguistique générale, 1916, Saussure s'oppose aux linguistes de son temps qui considèrent que le langage est constitué de mots qui peuvent être analysés séparément. Selon Saussure, l'élément important est le caractère structuré de la langue.
Et on vient ainsi à distinguer, d'une part, la langue en tant que système de signes, et de l'autre, la parole, à savoir l'usage qu'un individu fait de la langue lorsqu'il s'exprime. Giddens note que la distinction langue-parole est liée chez Saussure à d'autres oppositions, notamment sociales, individuelles et synchroniques, diachroniques. La langue est en effet, selon Saussure, une institution sociale et à ce titre, elle échappe à l'influence que pourrait exercer sur elle l'individu qui l'utilise. Bien au contraire, celui-ci reproduit les formes préexistantes qu'elle contient par ailleurs. La langue ne peut être appréhendée que si l'on procède à une analyse synchronique, tandis que l'étude de la diachronie invite plutôt à se situer au niveau de la parole. Giddens voit dans la perspective structuraliste, et en particulier dans les apports de Saussure, des avancées par rapport au fonctionnalisme. Il estime notamment que cette conception de la notion de structure présente un intérêt que n'a pas la conception fonctionnaliste. Dans ce dernier courant, la structure est vue à l'image du squelette d'un organisme ou de la charpente d'un édifice comme une réalité qui a une existence propre, extérieure à l'action humaine, et qui a des effets contraignants sur celle-ci. Le fonctionnalisme maintient ainsi un dualisme strict entre le sujet individuel et le tout social. Dans le structuralisme, en revanche, la notion de structure est de nature plus virtuelle. Elle est associée à des règles profondes qui n'ont pas d'existence indépendante de l'action humaine et qu'il faut inférer à partir de l'observation de celle-ci. En ce sens, elle offre une possibilité de dépasser le dualisme entre l'individu et la société. Mais Giddens émet aussi des critiques. Il reproche, entre autres choses, à Saussure de ne pas suffisamment articuler les deux réalités que sont la langue et la parole. Saussure ne montre, dit en fait Giddens, Saussure ne montre pas comment s'opère la médiation entre, d'une part, le caractère systématique, non contingent et social de la langue, et de l'autre, le caractère spécifique, contingent et individuel de la parole. Cette articulation ne peut s'opérer que si l'on parvient à montrer comment l'individu influencé par le système de la langue contribue aussi à façonner celui-ci. En conséquence, l'opposition entre la synchronie et la diachronie s'étompe. La manière dont la langue se reproduit est aussi le processus par lequel elle change. Et ceci vaut par extension pour les autres systèmes sociaux que la langue. Les processus par lesquels ils se reproduisent et donc existent comme système sont aussi ceux par lesquels ils se modifient. En résumé, ni le structuralisme, ni le fonctionnalisme ne se révèlent aptes à traiter de la vie sociale comme étant produite par du sujet actif. Donc ça, c'était la critique de Anthony Giddens envers les deux courants fonctionnaliste et structuraliste. Maintenant, on va passer à la critique adressée aux sociologues interprétatifs, aux sociologies interprétatives, les sociologies interprétatives. Au cours des années 1970, s'opère tant en Europe qu'aux États-Unis une remontée en force de courants de pensée très différents de ceux qu'on vient d'examiner. Giddens insiste sur la place plus importante qu'ils accordent à l'individu actif et réflexif et sur l'accent qu'ils mettent sur la compréhension, l'interprétation des conduites humaines plutôt que sur des tentatives d'explication inspirées des sciences de la nature. Il désigne ces courants théoriques par l'expression sociologie interprétative ou sociologie de l'action.
À l'origine de ces théories se retrouvent diverses traditions intellectuelles, la phénoménologie d'Edmond de Husserl, la tradition herméneutique qui remonte à Max Weber, et au-delà, ou encore la philosophie du langage de Ludwig Wittgenstein et de Jean Houston. Guédin souligne l'intérêt que représentent ces avancées des sociologues interprétatifs, mais il estime toutefois qu'elles ne résolvent pas entièrement les problèmes identifiés dans l'analyse des deux premiers courants. Il engage donc une discussion critique de plusieurs de ces théories, en particulier de la philosophie existentielle d'Alfred Schultz et de l'ethnométhodologie de Harold Garfinkel, né en 1917, ainsi que de l'interactionnisme symbolique de George Herbert Mead, Herbert Blomer, Erwin Goffman. Arrêtons-nous à ce dernier courant. L'interactionnisme symbolique trouve son origine dans l'œuvre du psychologue américain George Herbert Mead. Dans le recueil de textes publiés après sa mort, L'esprit, le soi et la société, on trouve l'idée selon laquelle l'individu développe son identité en adoptant le point de vue des autres lors des interactions qu'il a avec eux. Selon George Herbert Mead. Donc l'individu, il fait quoi? Il développe son identité en adoptant le point de vue des autres lors des interactions qu'il a avec eux. Plus précisément, Mead montre comment le jeune enfant apprend par le jeu à adopter différents rôles, puis quand il devient plus mûr, il en vient à percevoir l'existence des règles du jeu, il comprend qu'il doit adopter certaines normes de comportement pour être accepté comme joueur. Mead parle d'autrui généralisé, generalized other, pour désigner les normes qui existent dans un groupe social. Donc, Mead, il parle de l'autre général, l'autrui généralisé. Dans une interaction, l'individu adopte quoi? Adopte, en fait, les comportements des autres. Adopte certains normes de comportement par les autres, pour les autres et par les autres, dans une interaction. Mead parle d'autrui généralisé pour désigner les normes qui existent dans un groupe social auquel les individus ajustent leur comportement et par l'intermédiaire desquels ils construisent leur identité. Giddens souligne l'intérêt de cette thèse, mais reproche à Mead de trop insister sur la manière dont l'identité individuelle est déterminée socialement, et pas assez sur la manière dont, dans ce processus de constitution de soi, l'individu construit le social. Donc, Anthony Giddens reproche à Mead de trop insister sur la manière dont l'identité individuelle est déterminée, mais pas assez sur la manière dont ce processus de constitution de soi, la manière que l'individu construit le social. En conséquence, note-t-il, il manque chez Mead, tout comme chez la plupart des tenants de l'interactionnisme symbolique, une théorie de la constitution des institutions et du changement de celles-ci. En se centrant sur les individus, mais en négligeant les institutions, l'interactionnisme symbolique vient en quelque sorte combler les lacunes du fonctionnalisme. Le fonctionnalisme, à l'inverse, en se centrant sur les institutions, mais en négligeant l'individu, comble les lacunes de l'interactionnisme symbolique. Ainsi s'opère dans les années 1960 et 1970 une sorte de division du travail dans le cadre de sociologie américaine. L'interactionnisme symbolique prend en charge l'étude des relations interindividuelles, bref, les questions microsociologiques, tandis que le fonctionnalisme s'occupe des institutions sociales, c'est-à-dire des questions macrosociologiques.
Le marxisme. Le quatrième courant est constitué des œuvres de Marx et de celles des philosophes, sociologues, et qui se réclament de sa pensée. Giddens considère les écrits de Marx. Giddens considère les écrits de Marx comme ambivalents, du point de vue des perspectives d'analyse auxquelles il se réfère. Les premières œuvres de Marx contiennent des passages qui insistent sur le rôle des acteurs individuels, dès lors qu'il s'agit d'expliquer la vie sociale et son évolution. C'est le cas de l'affirmation de Marx dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, selon laquelle les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas de leur propre mouvement, ni dans des conditions choisies par eux seuls. Giddens commente aussi la conception de la praxis développée par le théoricien allemand dans ses thèses sur Feuerbach, selon lesquelles les humains se changent eux-mêmes en changeant le monde autour d'eux. Ces thèses indiquent que la capacité de transformation de l'action humaine est placée au premier plan chez Marx. De telles idées auraient pu servir de base pour une synthèse de deux grandes tendances qui caractérisent la réflexion sociologique. L'importance accordée aux acteurs versus celle montrée aux structures sociales. Malheureusement, Marx n'a pas développé ses thèses dans ses travaux ultérieurs. Bien au contraire, la suite de son œuvre porte essentiellement sur les modes de production. Or, ici, l'approche à partir des structures prend nettement le pas sur celle qui se réfère aux acteurs. Ainsi, Marx en vient à expliquer le changement des sociétés par les thèses de l'expansion des forces productives, une approche que Giddens qualifie d'évolutionniste, dans la mesure où elle assimile implicitement la société à un organisme biologique qui contient en lui une trajectoire de croissance, un autodéploiement de possibilités latentes. On retrouve cette même primauté accordée aux structures dans l'analyse que Marx propose de la société capitaliste, en particulier dans sa thèse selon laquelle, dans cette société, les travailleurs doivent vendre leur force de travail aux capitalistes. Cette thèse, note Giddens, exprime une contrainte qui dérive de l'ordre institutionnel de l'entreprise capitaliste moderne auquel fait face le travailleur. Cette ambivalence dans les écrits de Marx se retrouve chez les auteurs ultérieurs qui se réfèrent à sa pensée. D'une part, certains philosophes marxistes se situent dans la perspective selon laquelle ce sont les sujets conscients et actifs qui font l'histoire. C'est le cas du philosophe hongrois Georges Lukács. Georges Lukács. D'autres auteurs adoptent au contraire la thèse selon laquelle les individus sont déterminés par les structures économiques et par les lois de l'histoire. C'est le cas du philosophe français Louis Althusser, pour qui les acteurs individuels ne sont que des supports des relations qui caractérisent les formations sociales, ces formations étant déterminées en dernière instance par les structures économiques. La théorie de la structuration. Giddens conclut son examen de la tradition sociologique en soulignant l'existence de deux perspectives. La première, l'objectivisme, qui met l'accent sur la société. La seconde, le subjectivisme qui met l'accent sur l'individu. Par l'objectivisme, je désigne cette manière de concevoir la théorie sociale selon laquelle l'objet social a en quelque sorte la priorité sur l'acteur individuel, et dans laquelle les institutions sociales sont considérées comme l'enjeu central de l'analyse sociologique. Quant au subjectivisme, il désigne le point de vue opposé,
L'acteur humain y considéré comme le foyer principal de l'analyse sociologique, en d'autres termes, la préoccupation majeure des sciences sociales concerne l'acteur intentionnel, réfléchi. Ces deux perspectives sont antagonistes, incompatibles, elles se présentent en deux impérialismes. L'impérialisme de l'objet sociétal et l'impérialisme du sujet. Pourtant, elles se révèlent l'une et l'autre insuffisantes. L'objectif ne rend pas compte du fait que les individus sont bien des acteurs qui réfléchissent et qui exercent une influence sur les structures. Quant au subjectivisme, il ne permet pas d'expliquer en quoi les structures créent les conditions de l'action et influencent celles-ci. Giddens entend dépasser ce dualisme. Il cherche à résoudre la tension entre l'objet sociétal et la subjectivité individuelle en les considérant comme deux pôles complémentaires ou pour reprendre l'expression de Crabbe comme les deux faces d'une même médaille. Ceci implique pour lui un réexamen approfondi de notions comme celles d'acteurs, de systèmes sociaux, de pratiques sociales ou encore de structures. Cet examen donne lieu à la théorie de la structuration, à laquelle Giddens consacre plusieurs ouvrages. C'est dans La Constitution de la Société, dans son ouvrage La Constitution de la Société, 1984-2005, un de ses textes majeurs, mais aussi un des plus abstraits et des plus difficiles, qu'il nous présente ses vues les plus détaillées sur la question. L'exposé qui suit s'appuie largement sur cet ouvrage monumental, nous représentant par la figure 2 les principales notions intervenant dans la théorie de la structuration et la manière dont elle s'articule. Figure 2, donc il y a ici une figure 1, le dualisme objectivisme-subjectivisme. Donc l'objectivisme, ça veut dire les courants fonctionnalistes et التيار أو النظرية الوظيفية زائد النظرية يعني البنائية فهذه نظريات objectivism موضوعية إذا تدرس المجتمع والمجتمع هو الذي يؤثر في الفرد وإذا تهتم بدراسة المجتمع بالبناء المجتمعي بالستركتور بالبنيات بينما السبجكتيفيسم أو الذاتية فهي التيار الذي يعني يرى بأن الفاعل الفرد هو الذي يؤثر في المجتمع وبالتالي هي تهتم بالفرد إذا هناك ثنائية بين التيارين والاتجاهين الموضوعية والاتجاه الذاتية فأنتوني جيدنز يقترح نظرية أخرى ونظرية هذه سماها عملية الهيكلة فعملية الهيكلة فيها لي سيستام سوسيو فهذه يعني لي سيستام سوسيو براتيك سوسيال اكتور يعني تؤثر في 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 الاكتور في الفرد وهذا الفرد كذلك يؤثر في البناء الاجتماعي يعني هناك تبادل بين تأثير الفرد والبناء المجتمعي إذا البناء الاجتماعي فهو كونترانيون يمارس إكراه على الفرد يؤثر فيه والفرد له قدرة على التأثير في البناء الاجتماعي هذه نظرية أنتوني جيدنز إذا لي براتيك سوسيال حسب جيدنز كوم لانديك لو تيرم ستركتوراسيون جيدنز ne s'intéresse pas prioritairement à des entités statiques, comme pourrait l'être l'acteur individuel ou la société, mais bien à un processus dynamique représenté par des flèches semi-circulaires. Le social est appréhendé comme un mouvement dans lequel les actions individuelles tout à la fois structurent les systèmes sociaux et sont structurées par eux. Ce processus n'a pas de point de départ identifiable. Aucun des deux pôles ne précède l'autre. Giddens parle de pratiques sociales, social practices, pour désigner le processus de structuration. Les deux expressions sont en fait quasi synonymes. Les pratiques sociales n'ont rien à voir avec des comportements ponctuels que l'on pourrait isoler arbitrairement en observant les individus. Ce sont des activités continues ou récurrentes ou encore des flots d'action.
Elles constituent les points d'articulation entre les acteurs et les structures. Ce sont bien ces pratiques sociales récurrentes reliant l'acteur et le système social qui forment l'objet central de la sociologie. Le système social et le structural. Alors, je vais voir. Wesh, non. Ok. Donc, l'acteur. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et je reprends après, Inch'Allah.